c'est ton émission. Bienvenue dans ma chronique. Aujourd'hui, on va parler de Sonic. Voilà, je suis un très grand fan de Sonic et à chaque émission, je me retenais parce que quand je commence à parler de Sonic, je peux en parler des heures, des jours. Mais du coup, il y a énormément de nouvelles concernant notre petite hérisson préférée. Ça va se découper en trois parties. D'abord, je vais parler des produits dérivés. Ensuite, je vais parler du multimédia et finir sur les jeux vidéo. Donc, Jimmy, je vais te demander de lancer la première partie, donc sur les pop. Voilà. Ah ouais. On a énormément de pop, surtout de nouveaux personnages qu'on n'a jamais eu jusque maintenant. Ah oui, effectivement. Pour les collectionneurs. C'est... Voilà, parce que je suis un grand collectionneur aussi. D'accord. Donc là, y a... Alors, je le dis à l'avance, il n'y a pas de date. Là, c'est vraiment des exclus, des pop qui ont été annoncés très récemment. Donc, il n'y a même pas de date, il n'y a rien. C'est vraiment exclu. Et est-ce qu'on sait que... Alors, ok, on n'a pas de date, mais... Cette année. Dans les alentours de cette année-là. Ce que je voulais dire, c'est que... Il y a des pop qui sortent, qui sortent plus en Europe ou plus Ouais, c'est en, ça le truc. C'est, ça, que, en fait, c'est ça que... J'ai aucune... Il n'y a aucune info. C'est juste pour dire que... Sortir, voilà, mais on sait pas, voilà okay. C'est ça. C'est juste que ça a été... Non, pour le coup. Pour le coup, non, c'est des vrais pop qui sont officiels. C'est juste que bah il y a pas vraiment d'infos encore. C'est vraiment tout nouveau. Je connaissais même pas Super Shadow. Ah ça, bah c'est ouais. Le c'est le principe petit, même c'est. Mais c'est pas le petit renard. Le dérapage les gars. Waouh. Non, c'est. Eh, c'est son émission et sa chronique, alors s'il te plaît, fais pas des trucs comme ça. Non. Oui, non. Mais bien non, sûr. Alors, t'as pas dit que Soulier faisait des chaussures, d'accord je... Oh ouais. Alors, Julie. Bravo. Alors, moi, celle-là, je l'applaudis. Bon, alors, Julie, pour t'expliquer justement, le petit renard, oui. Il existe effectivement. Ah, c'est pas lui. Il s'appelle Tails. Oui, mais voilà. C'est le meilleur ami de Sonic. Mais lui, c'est un autre personnage. Il a joué avec Mia Kupa dans un jeu. Il y a pas. Oui, c'est pas vrai. Tu peux changer de slide. Je vais rajouter pas mal de détails avec chaque image. Donc là, par exemple, je suis plutôt content parce qu'on n'a jamais eu de pop de Amy jusqu'à maintenant. Et justement, là, on va avoir un... C'est la chérie de Sonic, en gros. Oui. C'est... On la voit dans les jeux ? Oui. Ouais. Donc, c'est dans les derniers Non, depuis non. Sonic CD, qui est sorti en 92. Donc... Donc... Il a les yeux habillés, lui. Ok. Donc, voilà, première fois qu'on va voir une pop. Amy, tu peux continuer à défiler encore. On va avoir aussi une pop Metal Sonic, qui, pour le coup, je crois, est déjà sortie. C'est la seule qui est déjà sortie. On a une nouvelle pop Eggman. On a déjà une pop Eggman, mais cette fois-ci, ça va être justement dans une machine. Tu peux continuer à... Metal Solid Snake. Voilà. On a aussi une nouvelle pop Super Sonic, qui celle-là, je pense, elle va être exclusive, qui est à peut-être aux États-Unis, quelque chose comme ça. Ils aiment trop faire ça. Les plus belles, elles sont exclusives aux États-Unis. Voilà, j'ai le seum, ça y est. Tu peux continuer à faire défiler. Donc celle-là, je suis très content de celle-là, c'est très drôle. C'est une pop qui fait référence du coup à la pose que Sonic prend quand il perd. Ouais. Quand il perd. Ouais, c'est donc c'est très très drôle comme idée. Tu peux continuer à faire défiler. Autre personnage qu'on n'a jamais eu jusque maintenant, Rouge. On n'a jamais eu de pop de Rouge et ça c'est très cool aussi. Tu peux continuer à faire défiler. Ouais, toujours pas sur un regard, du coup. Tu peux du coup changer de partie. Donc voilà, nouvelle pop de Knuckles aussi, du coup. Là, on va passer au Lego. Donc bon, bah, je viens de voir. Donc certains sont pas au courant. Depuis l'année dernière, on a des Lego Sonic. Voilà. Ça fait un bon bout de temps en vrai que j'attends ça parce que, alors petit fun fact supplémentaire, je ne sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Lego Dimension. Oui. Voilà. Dans Lego Dimension, il y avait Sonic. On avait Sonic et il y avait justement un Lego Sonic. Mais on n'a jamais eu
de Lego de partenariat univers Sonic. Mmh. Et c'est depuis l'année dernière que bah, ils ont bombardé. Là, on a peut-être une dizaine de packs Lego Sonic. Donc là, par exemple, on a un Lego Shadow, donc avec en full dark avec sa moto et tout. Bon bah. Il a pas son mitraillette. Ouais, voilà, c'est déjà ça. Donc vraiment full edgy. Tu peux défiler. Sachant que ça fait suite au Lego Mario. Ouais, c'est ça. Ah, oui, les Lego Mario sont sortis après, avant. Est-ce que ah, ce genre beau, de boîte aussi, Mario. C'est aussi parce que t'as les films c'est plus, c'est-à-dire que ça s'ouvre à un plus grand public. C'est ça. Alors qu'avant, bah, en jeu vidéo, c'était réservé vraiment à ceux qui jouaient. Voilà, quoi. Bah, surtout que justement, depuis quelques années, Sonic s'ouvre de plus en plus. Et justement, c'est un peu pour ça que je fais cette chronique-là. Et je vais en parler après, justement. Ils font pas que des trucs bien. Hein. Ouais, mais moi je vais parler que des trucs bien. là... Pour le film, là, les yeux, il n'y avait pas un problème avec le film là. Ouais, mais ça ils ont changé. C'était, c'était avant. On va oublier. On va oublier. là, on a un Lego pack Knuckles qui me fait un petit peu rire parce que Knuckles il est dans un mecha. Je sais pas mais pourquoi. Oui, c'est ouais. Ils sont partis dans un full délire. Alors, Knuckles n'a jamais eu de mecha. Hein. Il se débrouille très bien avec ses coups de poing. Ouais. D'accord, il n'a pas besoin de mecha. Mais bon, et ils sont. Je le trouve pas, perso, je le trouve pas beau en plus. Hein. Bah, en plus, il est moche. Donc, bon. En plus de ça, ce qui est drôle, c'est qu'on a justement un Lego rouge avec. Et la petite gemme verte que vous voyez qui brille, c'est la Master Emerald. Pour faire très très simple, c'est une pierre magique que Knuckles doit protéger. Sinon, on meurt tous. Voilà. Pour faire très très simple. Ah, ça, c'est très résumé. Ça. C'est exactement ça. C'est très résumé, mais c'est l'idée. Voilà. Et tu peux faire passer au dernier Lego. Là, c'est un. Un petit sachet. C'est marrant, ouais. C'est les petits sables qui te jettent des trucs pour ouais, faire des caisses. Là, là oh, c'est. Salaud. Là, c'est un tout petit set qui est un peu nul, qui m'intéresse pas trop. C'est vraiment juste. Moi, c'est celui qui m'intéresse le plus. Oh, ouais. Je te jure. Bah, c'est vraiment... Dans la voiture. Ça, c'est... Bah, c'est vraiment un petit truc bonus. Bon, voilà. C'est vrai, la raison que tu fais dans la voiture. Est là. Ça peut être super marrant. Tu peux passer à la dernière partie des figurines. Du coup, là, pardon, on va parler de figurines. Ah. Et justement, ça va me permettre de faire une petite transition. Oh, elles sont belles. Voilà. Là, c'est celui du film, tu vois. Donc elles voilà. Sont super belles. Voilà. Alors là, c'est une statue donc de Knuckles, du coup, ben, comme l'ont dit mes collègues, pardon, du film. Pour l'instant, j'ai pas la date de sortie. C'est en précommande. Mais le prix, je le connais bien, par contre. Ah, $450. Voilà. Je pensais à 500, un truc comme ça. C'est fait par First Four Figure, qui est très, très fort. Ils ont fait énormément de figurines Sonic et ils sont très très bons. D'ailleurs, j'ai déjà des figurines Sonic. Et je viens de me dire que j'aurais peut-être dû mettre une photo de ma collection. Mais j'y ouais, j'y ai pas pensé. Les figurines, elles sont comment à peu près en taille? La prochaine fois. Ouais, bah là, je la prochaine fois. Tu prépares ça aussi. C'est quoi, voilà. C'est quoi la taille? Ouais. Niveau taille, j'ai pas la taille, mais c'est ouais. Plutôt grand. Alors, grand, c'est genre ah ouais rien toi ça y est c'est être grand comme c'est ça, la taille d'une statue ça, hein c'est comme ça quoi c'est le classique c'est, pour, ouais. Bah, c'est plutôt grand quoi voilà, c'est ça. Tu large, peux passer bon, en fait ils s'amusent trop à m'embêter pour rien c'est plutôt petit non entre Predator ou quoi attends mais est-ce que je peux éventuellement présenter ma chronique merci. Éventuellement. Justement, entre. Mais Jimmy. On dirait Predator. Est-ce qu'on peut le sortir Parce que justement, en fait, là, moi je suis là pourquoi ? Pour présenter. Tu peux me laisser présenter éventuellement. Alors, entre deux grosses statues, j'ai mis ce personnage-là. Justement, parce que Jimmy ne connaît pas et se permet de parler. Mais Mephis. Alors, ça, ce personnage-là, c'est Mephis. C'est le grand méchant de Sonic 2006. Et si je l'ai mis là, c'est parce que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a une représentation de ce personnage-là. Voilà. Il était tombé dans les oubliettes et je suis très content parce que c'est un personnage pardon, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy ? C'est Sonic mélangé avec un serpent. On dirait le... Le Predator ! Orochimaru ! Non, mais alors... Alors... Memphis ? Mephis. Mephis. Et moi, il y a Mephis. Vous pouvez les suivre sur TikTok aussi, Mephis. D'accord. Basiquement, oui, il ressemble énormément parce que dans l'histoire, c'est une forme de vie
qui a pris l'ADN de Shadow, qui fait qu'il ressemble énormément à Shadow. Et après, il se transforme comme ça, mais sa forme de base, c'est vraiment genre Shadow, mais avec des autres couleurs. Mais je peux me permettre. Oui. Ça étonne tout le monde que là, on est en train de parler du Lord Sonic comme si c'était une histoire de ouf. Il y a du lore dans Sonic. Hein. Y a pas que, c'est pas que Sonic qui court et qui se met en boule. Hein. C'est des figurines qui rendent pas justice au personnage. Ouais, c'est ça. Oui, le perso en vrai. Bah, on peut passer à la prochaine. Ah. Oh, ça c'est beau. Donc ça, là, c'est le renard dont tu parlais. Là, du coup, une autre figurine qui également fait référence au film. Et là, pour le coup, bah, c'est le même prix, hein, $450, paf. Elle est belle, celle-là. Je sais pas. Je sais pas qui. De quoi ? Elle est lumineuse, celle-là, du coup. Ouais, bah, justement, en fait, tu fais bien de le dire. Merci. C'est que, bah, avec plaisir. Pour cette figurine et la figurine de Knuckles, il y a deux versions, en fait. Il y a la version sans lumière et là, la version avec lumière, en fait. Et justement, la version. Voilà. La version avec lumière, c'est $450. La version sans lumière, c'est un peu moins cher. 420$ quoi. Bah, franchement, elle est belle la figurine. Elle est très belle. Trop mignon. Et ça fait quelle taille à peu près ? C'est grand. Ah, comme ça ? Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même balèze. Heureusement pour $450. Mes fils de Dark, voilà, merci. Pour quelqu'un qui connaît, voilà. Parle en langue Sonic. Bah, c'est comme Sonic. Non, mais c'est comme Sonic. Alors, tu vas te calmer, toi. c'est comme Sonic the Hedgehog. Bah, lui, c'est Mephiz de Dark. Merci, Jimmy. On va pouvoir parler enfin du coup du film Sonic 3. Une petite tête qui fait peur. Bah, justement, non. Pas de film qui fait peur parce que ça, c'était avant. D'accord. On laisse le passé dans le passé, on avance dans le présent. Oh, voilà. C'est beau. Ça c'est le seul render pardon qu'on a pour l'instant de Shadow. On peut déjà voir qu'ils se sont permis quelques petites libertés, comme bah, jusqu'à maintenant. Hein, oui, il y a déjà le film 1 et 2 qui est sorti. Oui, je vois ça. Qui Shadow Wakanda Armor. Hein, ça serait stylé comme ça. Stylé. J'ai jamais pensé. Mais du coup, ouais, c'est le seul render qu'on a. On voit déjà bah, avec ses chaussures. Il a de beaux souliers. Déjà quelques petites différences. Donc le film va sortir en décembre. Ah, ok. Pour l'instant. Sauf s'il se décide hein, de changer la date et de le décaler pour 2025, ce que j'ai absolument pas envie. Est-ce que tu apprécies les deux premiers déjà ? Alors, moi, je vais dire un truc qui est complètement bête, c'est que j'ai toujours pas vu le 1. Je sais que c'est, je sais que c'est bête. J'ai pas vu le 1. Je suis un giga fan Sonic, mais j'ai pas vu le 1. Mais j'ai vu le 2. Alors, si seulement vous pouviez voir la tête de Jimmy, c'est exceptionnel. Ouais, mais vois le 1, il est meilleur que le 2 pour le coup. Non, c'est le 2, il est meilleur. Non, t'as pas vu le 1. Le 2, mais oui, c'est pour okay, le 2, il est meilleur, j'ai regardé les critiques, j'ai pas vu le 1. YouTube, donc, ah bah, non, on parle avec le cœur là. Non, le 2, il est mieux, il y a plus de personnages, il y a plus d'histoires, il y a plus d'actions. Mais est-ce que je peux argumenter en fait ? Parce que si tu me laisses pas argumenter, je peux pas te prouver ce que je dis. Mais t'as pas vu le premier, donc tu peux pas argumenter. Moi, je veux un bisou à la fin. On peut passer à la prochaine slide. Ah, ok. Ça, ce personnage-là, c'est Maria. Pour vous rajouter du lore, parce qu'il y a du lore dans Sonic, c'est par rapport à l'histoire de Sonic Adventure 2. Donc le premier jeu où Shadow est apparu, ce personnage-là, alors je sais que ça va paraître un peu loufoque, mais c'est la cousine de Eggman. Voilà. C'est la cousine de Eggman qui est en fait avec le, qui vit avec le grand-père de Eggman, qui s'appelle Gérald Robotnik. On dirait un rêve que je raconte. Sa nièce, voilà. C'est la seule famille qu'il a basiquement. Dans ce qu'ils appellent donc Colony Arc, ils vivent dans l'espace. Justement, cette fille-là est malade, très malade. Et justement, Gérald Robotnik cherche un moyen de la guérir. Il y a le gouvernement dans Sonic, qui s'appelle le Gun, qui propose à Gérald Robotnik de travailler sur un projet qui s'appelle la forme de vie ultime. Basiquement, c'est un projet militaire pour pouvoir... voilà, bah parce que justement, les gens pensent que Sonic c'est non, juste un hérisson qui court vite. C'est juste un hérisson qui court vite, mais non, il y a pas qu'il y avait autant d'histoires. Il y a vraiment du lore. Il y a vraiment du lore.
Et ça, c'est vraiment peut-être 15% du lore de Sonic. Bref. Et justement, le truc, c'est quoi? C'est qu'il propose ça à Gérald Robotnik. Et bah, ça colle bien avec ce qu'il veut faire. Parce que justement, ce qu'il a en tête, c'est profiter de ce projet de forme de vie ultime pour trouver un moyen de guérir Maria. Elle est canon. Effectivement, elle est canon, mais elle est surtout mineur chef. Hein. Non, mais, donc, mais dans l'histoire, mais c'est vraiment dans l'histoire officielle. Oui, c'est dans Sonic. C'est vraiment pas un truc. Ça fait partie de l'histoire la plus importante dans le développement de Shadow en lui-même. Mm-hmm. Et justement, si j'en parle, c'est parce que c'est très important. Parce que justement, je pense que vous avez compris que ce projet de forme de vie ultime, c'est Shadow. Donc Shadow est la forme de vie ultime. Il est invincible, il ne peut pas mourir. Il est très fort, il a énormément de pouvoir, il peut se téléporter, il va très vite, il a des projectiles, il peut arrêter le temps. Bref, c'est quelqu'un, Shadow. C'est Thanos. Et c'est ça, ouais, c'est quelqu'un. Avec le gant, ouais. Et le truc, c'est que justement, le Gun, au bout d'un moment, ils se disent bon, chef, nous, on a besoin de ce projet-là parce que de base, ils veulent ce projet-là pour leur armée. Ils veulent faire des humains modifiés. Avec leur projet de vie ultime. Le truc, c'est que bah ils partent chercher Shadow. Ce qui se passe, c'est que bah ils veulent pas. Gérald Robotnik ne veut pas leur donner comme ça Shadow. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un léger dérapage, un tout petit dérapage. C'est que bah le Gun, bah il tire sur Maria et bah Maria meurt. Voilà. T'as pas vu là. Donc, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le truc de. Maria est avec Shadow. Ouais, ils sont ensemble dans le colonie Archie. Donc, mais non, mais moi, Maria et Shadow, je ne savais même pas qu'ils étaient moi ensemble. Moi non plus, c'est pour ça. Donc, ils sont ensemble dans la maison, surface, dans l'espace, donc qui est colonie Ark. Il y a Gérald Robotnik, elle, donc Maria Robotnik et Shadow. Et justement, c'est dans Sonic Adventure 2 sur Dreamcast en 2001. J'ai terminé le jeu, je l'ai fumé, j'ai jamais Sonic Adventure 2. Ouais. Avec, et eh ben, bah, ça fait, c'est l'histoire principale du jeu. Hein. Moi, j'ai couru, j'ai rattrapé des anneaux et j'ai. Ah pas bah, ça. Bon, bref, c'est pas grave. Et le truc. T'as raté ta vie. Voilà. Le truc étant que justement, si je vous évoque tout ça, ouais. C'est parce que dans le film Sonic 3, ouais. Vas-y. C'est fortement inspiré de Sonic Adventure 2. Tu peux passer à la slide d'après. Ouais. Tout ce teaser pour ça, en fait. Tout ce teaser pour ça, d'accord. Parce que là, bon, je pense que vous avez tous compris. Hein, elle ressemble étrangement à Maria, hein, au bout d'un moment. C'est, voilà, c'est cette actrice-là qui va jouer Maria. Et tu peux passer à la slide d'après. Sur son Insta, elle a fait ce post-là, justement, avec le logo Sonic 3 et à côté, une petite affiche avec écrit Maria pour officialiser justement le fait qu'elle va jouer Maria. En doudoune comme ça. Autant parce que justement, toute la fanbase a fait énormément de mèmes là-dessus. Toute la fanbase Sonic, on est trop fan parce que on est trop content parce qu'on va voir une enfant se faire tuer au cinéma. Oh le yes. C'est bon, il y a 3 heures. Oh là là. Je m'attendais tellement pas à ça. C'est... Oh là là. Nous les fans, on adore ça. On attend. Non mais là, en vrai, là, je vous dis ça comme ça en rigolant. Oui, les GGN qui est à la porte de la médiathèque. Mais vas-y. Je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment. C'est vraiment très important dans le développement de Shadow. Parce que c'est cet événement-là qui va vriller. Et en plus de ça, il y a tout. Bon, sinon, je vais. Non, dis pas trop. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Il va vriller. C'est à cause de cet événement-là. Et il va par la suite réaliser qu'il est dans le mauvais chemin et se rappeler de certaines choses qui va faire qu'il va avoir son arc de rédemption. Sans trop spoil, parce que. Oui. Certains vont regarder le film sans connaître forcément les jeux Sonic. Donc là, on va passer au jeu. Ah. Premier lien, c'est par rapport à Sonic Dream Team, qui est un jeu mobile. Quel est votre jeu Sonic préféré? Sonic Génération, sans hésiter. Ah, ça fait bien. J'y ai joué plus de 300 heures, chef. C'est parce qu'il y a des mods, etc. Je joue sur PC, en fait. Team, c'est un jeu mobile sorti uniquement sur Apple Arcade. J'ai trop le seum parce que j'ai pas de produit Apple, qui est un très bon jeu. C'est rapidement, juste pour faire un petit point, parce qu'ils ont annoncé qu'ils vont faire 3 mises à jour sur le jeu cette année. Ça, c'est un jeu mobile.
c'est un jeu mobile qui est très très bon d'ailleurs. Hein, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de bons jeux Sony. Ouais. Et justement, c'est juste un petit point pour dire qu'ils ont annoncé 3 mises à jour. Là, c'était la première mise à jour. C'est une petite mise à jour, bug fix, rajout de points de vie au boss, etc. Prochain, c'est Sonic Superstars. Beau, donc, un retour aux sources classiques Sonic. Ils ont rajouté un skin un peu pyjama à Sonic, un skin pyjama Shadow, j'ai envie d'appeler ça. Et justement, vous voyez que je commence à parler beaucoup de Shadow. Basiquement, c'est cette année qu'ils sont enfin en train de mettre en avant Shadow. Et à raison. Tu peux déjà passer au prochain jeu. Ah ouais? Ouais, bah j'ai pas beaucoup de temps là. Mais ouais. Les gens ont parlé de... Enfin, de. Vous avez joué à ce jeu-là? Il est très chouette. Hein, moi, oui, moi, beau, bah, forcément, j'y ai joué. Mais il est vite tombé dans les oubliettes parce qu'en fait, il rajoute pas vraiment grand-chose. Et les fans Sonic sont un peu compliqués. En vrai, ça, c'est la grosse annonce. Donc, tout à l'heure, je disais Sonic Génération. Sonic Génération, sorti en 2011 sur toutes les plateformes, va avoir le droit à un remaster, mais pas que. Parce qu'on va avoir une sorte de rajout, un peu comme en parlait Tiffany, Mario 3D World avec Bowser's Fury. Donc, c'était un jeu remasterisé avec un mini-jeu avec. Et bah, là, ces gars se sont dit que c'était une bonne idée de copier sur Nintendo. Et en soi, ils ont raison. Ils ont raison. En fait, ils vont rajouter... Bah, ils copient, mais à raison. Moi, ça me va. C'est une très bonne chose qu'ils font. Justement, en fait, ils vont basiquement rajouter un DLC Shadow. Et je suis trop, trop content parce qu'ils vont rajouter des niveaux de Shadow. Et vous voyez que c'est très, très beau. Il y a aussi des méchants de Shadow qui sont de retour. Comme l'œil qu'on vient de voir. Franchement, je ne vais pas en parler parce qu'on risque de déraper. Mais c'est très important pour le lore de Shadow. Ça va sortir là. Dans quelques mois, en août, ça sort en août. Là, c'est full exclusivité. Je suis très fier de moi. c'est pour les enfants. Encore c'est un jeu mobile. Alors, pas forcément pour les enfants. Je vais vous expliquer. Ça s'appelle Sonic Toys Party. Et là, dès que le gameplay va commencer, vous allez comprendre que c'est un Sonic Fall Guys qui va sortir sur mobile et cette fois-ci qui sera pas bloqué derrière Apple Arcade. Et moi, je suis très fan. Je suis très fier. Je suis très content. Je suis très content parce qu'on va voir énormément de personnages aussi. Il y a eu un leak des personnages. On va voir des personnages un peu plus obscurs comme Silver, Blaze, Jet, qui est un personnage plutôt obscur qui était dans Sonic Riders, un spin-off où Sonic il est sur des hoverboards. Voilà. Donc c'est franchement très sympa. Beaucoup de bonnes infos là. Voilà, beaucoup de bonnes infos. Et je vous dis aussi à l'avance, je vais finir là-dessus. Là, c'est encore des exclus, full exclus. Là, c'est des leaks à prendre encore avec des pincettes, des grosses pincettes, mais ça risque. Je vais vous parler d'autres leaks. Justement, là, si je me suis permis de faire une chronique Sonic, c'est parce que là, il pleut des infos. C'est incroyable. Je suis très content. On a un leak comme quoi on va avoir un remake de Sonic Heroes. Sonic Heroes sorti sur GameCube en 2003, mon tout premier jeu vidéo. On va apparemment avoir un remake et en plus de ça sur Unreal Engine 5 qui est le moteur qui produit les plus beaux jeux. Et justement, ils vont passer sur Unreal Engine 5 pour tous les prochains jeux Sonic. Et donc maintenant, ça y est, ils mettent enfin le budget, il était temps, pour les jeux Sonic. Donc on va avoir des très beaux jeux. Eh bien, merci Maris, on peut l'applaudir. Ah, belle chronique, très belle chronique. Bravo. The Funky Geek Club.